Yo les gars, c'est Tuto iPhone pour ma deuxième vidéo. Donc dans cette petite vidéo, je vais vous montrer comment avoir PS4 Remote Play gratuit dans un pays non compatible. D'ailleurs, le voici. Donc je vais le supprimer pour la vidéo et on va l'installer ensemble les gars. Voilà. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, voilà, activer la cloche de notification pour être au courant des nouvelles vidéos, et surtout n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous ne comprenez pas ou quoi, où est le problème, voilà, dites-le-moi dans les commentaires, sans tarder, on va tout de suite commencer. Donc, pour faire ça, on a besoin d'abord, première chose, on a besoin d'un petit VPN. Voilà, VPN, je vais vous montrer comment avoir ça. Vous allez dans App Store, vous allez taper juste VPN. Voilà, VPN, ils vont vous montrer des VPN, voilà. Moi je prends ça parce que là c'est gratuit et tout. Donc tu télécharges ça, après tu vas dans le VPN, voilà, et là tu actives, tu te connectes. Et voilà, je suis connecté au VPN, comme vous pouvez le voir en haut à gauche de mon écran. Donc quand vous êtes connecté au VPN, je vais fermer App Store. Voilà, vous rentrez dans App Store, vous allez taper PS4 Remote Play. Voilà, PS4 Remote Play, voilà, et voilà, ça vient. Vous allez cliquer sur télécharger, voilà, vous allez télécharger. Voilà les gars, c'est téléchargé, vous voyez bien. Donc cliquez sur ouvrir, voilà, tranquille. Vous allez cliquer sur connexion à PSN, voilà, et ça va venir. Vous allez entrer vos identifiants PlayStation, voilà. Donc moi je vais pas le faire dans la vidéo, donc voilà. Quand vous rentrez, ça va venir, ils vont demander un code. Vous allez voir sur votre PS4, vous rentrez dans les paramètres, vous allez voir, vous allez dans paramètres de lecture à distance dans votre paramètre PS4, et ils vont vous donner un code que vous allez mettre dans PS4 Remote Play sur votre iPhone, et voilà, ça va venir. Et après, quand vous avez ça, vous pouvez même désactiver le VPN. Voilà, je l'ai désactivé. Tu peux toujours utiliser PS4 Remote Play. Voilà. Donc, merci d'avoir regardé cette petite vidéo. J'espère que ça vous a servi à quelque chose. J'espère que vous êtes satisfait. Et si vous êtes satisfait, n'hésite pas à liker, à t'abonner. Dites-moi en commentaire où est le problème, qu'est-ce que tu n'as pas du tout compris, ou si vous avez besoin d'autres tutos, donc dites-moi tout dans les commentaires. C'est la fin de cette petite vidéo, merci d'avoir regardé, c'était Tuto iPhone.